Elisabeth II s'est envolée en Écosse. Elisabeth II n'aurait raté un rendez-vous important pour elle, pour rien au monde. La reine d'Angleterre n'a pas voyagé seule. Surprise, la reine Elisabeth II s'est envolée, en toute discrétion, en Écosse. Si est-il la spécialiste de la royauté, Rebecca English, qui a révélé cette information sur son compte Twitter, lundi 27 juin 2022. La reine s'est rendue en Écosse et participera ce matin à la cérémonie des clés à Holyrood, a-t-elle lancé dans un premier temps avant d'ajouter que la reine n'avait pas fait le voyage seule. Elle est accompagnée du comte et de la comtesse de Wessex et de Forfar. Habituée à cet événement, la reine n'aurait voulu le rater pour rien au monde. Presque tous les ans, la grand-mère des princes William et Harry prend part à la traditionnelle et très protocolaire cérémonie de remise des clés de la ville d'Édimbourg. Lors de cette cérémonie, la reine reçoit les clés de la ville. Pour rappel, il marque le début de la semaine de Holyrood, que la reine consacre chaque année à l'Écosse. Pourquoi, même si elle semble fatiguée ces dernières semaines, elle a tout mis en œuvre pour y participer. Toujours selon la spécialiste en royauté, Elisabeth II devrait également profiter de son séjour en Écosse pour s'entretenir avec Nicola Sturgeon, la première ministre d'Écosse. Elisabeth II ne cesse de faire parler d'elle ces derniers temps, la reine d'Angleterre ne cesse de faire la une de l'actualité. Pour cause, au début du mois de juin, ses 70 ans de règne ont été célébrés en grande pompe. Elle était apparue au balcon de Buckingham Palace à deux reprises pour saluer ses fans et remercier tous ceux qui la soutiennent depuis toutes ces années. Elle était également soutenue par tous les membres de sa famille.